Alors, oui, voilà, ils incarnaient les personnages, et puis moi j'avais déjà lu les textes, mais du coup de voir les interpréter pour un kiff, ça devenait beaucoup plus, encore plus évident, encore plus parlant. Et puis j'ai redessiné un page, j'ai relu, après il m'a donné l'enregistrement. J'ai beaucoup écouté aussi sur CD. Et donc voilà, c'est en imprégnant de son univers que. Et de ces personnages, en lisant, en lisant le texte, voilà. Excusez-moi, je vais avoir tendance à dire grand frère, parce que moi c'est pour ça que je suis malade, grand frère. Donc, grand frère, dis-nous, comment on devient campeur? On se réveille, c'est dans le sang, c'est lié, c'est un grand roi qui t'a nommé campeur. Initiation. Comment on devient conteur? On devient conteur par la volonté des mânes et des esprits. Si on n'est pas en contact avec les esprits, on n'est pas en contact avec le grand sorcier, on ne peut pas être conteur. Donc on est là, on regarde, on touche, on mange, on boit. Et donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, et ça vient dans la bouche, et on le dit. Et donc on devient conteur, puisque c'est la vie, on dit la vie, on raconte la vie. Donc c'est ça. les mots se battent pour venir vers le grand frère. Les mots se battent. Il y en a trop. Et donc, pour beaucoup de ce conte, te vient d'où ce conte? Quel est l'esprit qui t'a inspiré? Est-ce que c'est l'esprit de la forêt, de la terre? Qui t'a inspiré? Un esprit qui m'a inspiré pour faire Fukubutu. Et moi, je vous explique un peu Fukubutu, ce que ça veut dire, parce que vous regardez le mot Fukubutu, il y en a qui risque de dire Fukushima. Non, ça n'a rien. Alors, Fukubutu, il y a deux mots là-dedans, et deux mots, mais ça veut dire la même chose. Fuku, c'est la nuit noire en Congo. Butu, c'est la nuit, mais ça, c'est en Lingala. C'est le même mot entre le Congo et en Lingala. Et donc, ça vous fait Fukubutu. Alors, Fukubutu. Un jour ça vient Fukubutu. Effectivement, Fukubutu, un jour j'étais comme ça à regarder par terre. Et c'est là que j'ai vu les images sortir par terre. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me gratte la tête, je rêve. Non, je ne rêve pas. Je regarde, je vois les images. Ça, je ne peux pas garder ça tout seul. C'est une histoire de ce mec-là. Et j'ai vu donc sur le sable l'histoire se dessiner. L'histoire. Et j'ai dit, mais. J'ai attrapé l'histoire. Il a attrapé ça, dit, mais il faut que quelqu'un me fasse traîner cela. Parce qu'avec le sable, c'est vite effacé. Et je suis allé trouver ça. Il a dit, j'ai le dessin à l'envers. L'histoire, je l'ai dans la tête. Tu vas dessiner ça. Mais qu'est-ce que je vais dessiner? Voilà, et c'est parti, voilà. Donc ça prend une fois. Et si on lit bien, ça prend des allures de fable, des choses comme ça. Mais voilà, mais c'est très bien. Gabriel est d'abord conteur, il y a des enfants ici, donc évidemment, quelques mots pour les enfants. Juste avant, j'ai vu que nous. Là, c'est Patrick. C'est bien ça. Parce que non, il y a un livre et un CD audio, ça sera plus facile. Laurent, tous écoutez, le même. CD. C'est qui le grand frère, la grande sœur? C'est toi. Ça, c'est pour toi. Alors donc quand j'étais enfant comme vous, j'allais souvent voir ma grand-mère. Et quand j'arrivais chez ma grand-mère, la première question qu'elle me disait, elle me racontait des histoires. Mais ma grand-mère n'habitait pas dans le même village que nous. Pour arriver chez ma grand-mère, il fallait d'abord faire 10 km de savane. Un jour, je me suis dit, je vais aller voir un grand. Et voilà que je m'en vais tout seul dans la salle. Je marchais du doucement. Et voilà que je me retrouve nez à nez avec un. Un lion. Et le lion fait. Alors là, je commence à trembler. Mais je me suis souvenu quand j'étais tout petit comme vous, j'aimais bien boire du lait de guépard. Donc je cours très très vite. Je me
suffit de faire deux pas en arrière et partir en courant. Je fais un premier pas, un deuxième pas, mais le lion fait. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu le lion se lever, chers amis. Le lion venir vers moi. Chilaka, opo, chilaka, opo, chilaka, opo. Le lion s'est retrouvé devant moi. Et comme je transpirais abondamment, le lion s'est mis à se régaler de ma sueur. Et ça sentait le. Le faux. Mais c'est très bon. Mais là, je me suis souvenu de ce qu'on m'avait dit mon grand-père. Et si chers amis, retenez-le, peut-être que vous allez vous retrouver dans la même situation que moi. Mon grand-père m'a dit une chose. Si tu te retrouves devant un lion, ne panique pas. Cherche seulement à attraper son regard. Une fois que tu as chopé son regard, le lion ne bouge plus et toi, tu peux partir en cours. Mais ce que mon grand-père ne m'avait pas dit, c'est qu'à force, tout ça, le lion, il le sait déjà. Comment c'est d'attraper le regard du lion, le lion fait Et tout d'un coup, j'ai vu le lion se mettre sur ses pattes arrière. Le lion s'est redressé et le lion a fait ça. Il s'est mis à sautiller. Il s'est même mis à chanter. Heureusement que je comprends le langage des lions. Je vais vous le traduire du lion au français. Il faut passer par plusieurs larmes. Et donc, ça voudrait dire un peu pour ceci. On verra, oui, on verra. Entre nous deux, qui gagnera? On verra. Et moi, j'avais tellement peur, je tremblais, je transpirais, je voyais ma fin arriver, je ne sais pas comment je me suis arrangé. Moi, si j'ai serré mon poing, j'ai levé mon poing, et j'ai juste dit, c'est la nuit. Alors, voilà. Et là, le deux ne comprenait plus. Rien. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à attraper son. Rien. Et moi, je ne suis pas un lâche, je ne veux pas partir en courant. Je regarde le lion. Le lion était là. Et moi, si j'ai serré mes poings, j'ai pensé tout de suite de donner un hyper. Quitte. Ou tout simplement un croc. Chère. J'ai dit, Gabriel, tu n'es pas violent, ne fais pas ça. Je serré mes poings. J'ai juste fait. Ta. Alors là, le lion a pris peur. Il était tombé par. Je l'ai regardé. Je lui ai dit tout simplement, vous êtes le rayon faible. Au revoir. Et ça, comment Yuna, tu arrives après à sortir des images une fois qu'on t'a raconté ça? C'est difficile à dire. Bon, déjà, je pense que, enfin, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on lit un texte qui est écrit avec autant de talent, ça inspire, quoi. Les mots, la façon dont il a choisi les mots, dont les choses sont dites et dont il incarne ses personnages, forcément, ça donne un espèce d'élan aussi. Donc il suffit de se brancher un peu là-dessus et puis ça, voilà, d'y aller. Après, je sais, c'est difficile à expliquer, c'est un peu une atmosphère qui vient d'abord et puis une atmosphère qui est faite de plein de choses, hein, qui sont dans les textes, de, je sais pas, de garde de baume, de. Ou bien de. Parle aux enfants qui sont là. Après, c'est une atmosphère colorée. Parle aux enfants qui sont là et comment tu réussiras à les convaincre de laisser tomber leur DS, leur pour dessiner. Comment tu ferais pour dire à ces enfants-là, écoutez, allez dessiner? Moi, je dirais que. Quand on joue à un jeu où c'est déjà inventé par quelqu'un et on ne choisit pas ce qu'on. On choisit pas son univers. Alors que quand on dessine, ben la liberté, elle est infinie dans la. On peut faire tout ce qu'on veut. Parmi les enfants, il y en a qui dessinent. Qui dessine? Toi, tu dessines? Waouh! Très bien, elle dessine. Et puis, les petites filles qui dessinent. Et les petits garçons, vous dessinez pas des Superman, vous dessinez pas Batman, rien du tout. Grand Pakinsa, oui, justement, c'est quand tu étais enfant comme ça que tu avais le. Tu aimais raconter des histoires à tes amis ou est-ce que tu as écouté un grand-père te raconter des histoires? Toutes ces histoires qui me viennent, ça vient d'où? Alors les histoires qui me viennent, ça vient d'où? Et ça, c'est la question que je me pose toujours. Parce que je ne sais pas depuis quand j'existe. Je ne sais pas si je suis vivant ou mort. Donc je ne sais pas, je n'ai même pas d'âge. Donc c'est pour ça que j'ai des histoires. Parce que si j'avais un âge,
j'allais dire, ah, le jour où je suis né. Mais il n'y a pas de jour où je suis né. Donc j'ai toujours existé. C'est pour ça que je suis une histoire moi-même. Je ne suis qu'un conte. C'est ça le conteur. Avant qu'on laisse encore le conteur s'exprimer, déjà, ce serait bien qu'on ait un petit intermède. Ah, ben oui. Mais avant l'intermède musical, je suis désolé, hein, mais je vais être totalement partial. Mais j'ai vu depuis tout à l'heure une petite fille qui a le même sourire que sa maman. Et elle participe beaucoup. Donc je vais lui donner celui-là. Je peux me permettre, parce que le principe du Palab, c'est faire participer le public. Tu n'as pas demandé au public s'il y avait peut-être une petite question à poser. Une fois que on aura fait un petit intermède musical, on va pouvoir laisser les questions. Merci. Ben, comme disait notre frère, à la découverte, on est là pour découvrir les contes, écouter les contes. Et moi aussi, je profite pour faire découvrir les pétissants. Il y a un secret, tout se transforme, comme je l'ai dit hier. Vous voyez un œil, le monde. La mangue que nous mangeons, vous jetez le noyau, moi j'en fais un autre usage. Je donne une nouvelle vie à ce noyau et je transforme le mangue en maracas. Je vais vous interpréter un petit verre. Enfants, nous mettons au monde. Vous prenez une maracas en tôle pour bercer l'enfant. Est-ce que c'est pas pour affoler l'enfant? Quand même. Voilà. Mais là, c'est tout. Plus l'enfant se tape, l'enfant s'endort et on baisse le. La finalité, mais moi, j'ai toujours été contre. Les sacs là, on tolle là, hein, là. Donc moi, avec ça, on toit un gros. Ça commence fort, toi, Et l'enfant s'endort tranquillement. Ça, c'est ma petite maracas sous coupe. Voilà, c'est une création, rien ne se crée, rien ne se perd. Je coupe une colocante et je prends les parties que je veux jeter. Moi, je dis, mais tiens, tu peux faire la paire, tu peux servir de caisse de résonance, et ça devient un sacala. Celui-là, c'est les têtes et les colocantes. Voilà, ça devient aussi une maracas. Ah, le vieux pour qu'avoir. Va. Une corne de chèvre qui devient quoi? Une flûte. On va au grenier en montant dans la cave en descendant. Mais la nature nous donne tout. Il faut suffit juste de réfléchir, regarder autour de soi. Comme le grand frère a dit, il n'a pas de nom, il n'a pas d'angle, c'est une histoire. On peut faire usage, donner de nouvelles vies, de nouvelles vies, à tout ce que nous trouvons, tout ce qui nous entoure. Alors, la flûte, la pompe à vélo, je vous ai jamais montré. Hein? En bambou qui vous donne les sons du basson. Oh.
merveilleux de se faire tout ce temps. Comme l'a dit Marie-Alfred, Ah oui, c'était le dernier. Ok. On va voyager un peu. Moi, j'aime bien voyager. J'aime toujours le brouillon de culture. Comment ça se fait que tu arrives à imaginer la forêt, le lion dans la forêt, alors que tu n'as jamais été... Tu as été au Congo, c'est vrai, mais à Brazzaville, mais tu n'as pas été en pleine forêt. Comment... Moi, c'est ce qui m'étonne, que tu puisses être en symbiose avec la nature, quoi, en fait. Voilà. Alors... Ça se ressent dans les dessins que tu fais, hein. Mais qui était vraiment à la recherche de ses racines ancestrales. Et il a voyagé toute sa vie en Afrique. Et toute mon enfance, il m'a raconté des contes africains. Il a lu des livres. Il n'y a pas de hasard, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça, moi, j'ai baigné déjà là-dedans en petite. Et puis peut-être que comme j'ai grandi en Bretagne, dans un village.
Et donc voilà, je sais pas, le mélange de tout ça fait que... Merci. Voilà. C'est une belle leçon. Laisser les enfants jouer et s'ennuyer. Ils sont pas obligés d'être devant la télé ou devant les vidéos. Après, ça deviendra des grandes dessinatrices. On va pouvoir laisser... On m'a dit que c'est Noël. Ouais. Noël. Boucher. Alors, non, mais Noël, même bon, comme c'est en Afrique, il y a deux mois en Afrique, moi qui me parle toujours. Et voilà, j'entends ce mélange et quelque chose. Bon, alors, pour ceux qui n'auront pas le temps de faire dessiner, vous pouvez déposer vos livres ici. On trouvera un moment pour vous mettre le dessin. Donc, voilà, l'autographe. Et donc, il y a deux mots très difficiles que vous devrez mettre dans la tête à partir d'aujourd'hui. Premier mot difficile, Serengeti. Serengeti. Serengeti, c'est la grande savane, Maasai, vous le savez. Un autre mot très difficile que vous devez remettre dans la tête à partir d'aujourd'hui. Kilimanjaro. 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 Le Kilimanjaro, c'est la grande mot. Même sur cette montagne, il y a de la neige. Malheureusement, la neige est en train de disparaître. Trop de réchauffement, la plat. Trop de gens qui conduisent le 4. Alors, là-bas dans le Serengeti, chers amis, habitait un jeune homme. Un très beau jeune homme. Mais quand on est beau comme ça, pour se marier, il faut trouver aussi une belle. Ah. Alors, il s'est mis à chercher dans toute la savane. C'est la rose, quelle brindille, oh, quel hippopotame, quel crapaud. Et à force de dire ça, il n'a trouvé faire. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le grand esprit. Il a dit, oh esprit, grand esprit, j'ai envie de me marier, mais je ne trouve pas de femme dans le Serengeti. Que dois-je faire? Et le grand esprit lui a dit, tu veux te marier, tu veux trouver une belle femme, eh bien il faut aller derrière le... Peut-être que là-bas tu peux trouver une. Alors voilà, parti derrière le Kilimanjaro. Oh. Il a marché, 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 longtemps, très longtemps, je ne sais pas combien de temps, parce qu'en ce temps-là, le temps n'existait. Ah. Il est arrivé derrière le Kilimanjaro. Oh. Et là, il y avait un village. Un très beau village comme on n'en trouve plus. Toutes les cases étaient alignées. Il y avait des fleurs partout. Ça sentait très bon. Mais curieusement, surtout dans ce village, chers amis, il n'y avait personne. Même pas un chat. Même pas une mouche. Même pas une abeille pour butiner les. Personne. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce village? Il fait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce village? Mais personne ne répond. Je demande s'il y a quelqu'un dans ce village. Mais personne ne répond. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retroussé ses. Il s'est mis à ouvrir les. Il restait juste deux cases. L'avant-dernière case, il ouvre. Il sent qu'il y a quelqu'un dedans. Parce qu'il voit là-bas, par terre, chers amis, un bol rempli de bouillie de manioc et de la fumée qui s'échappe. Et avec une petite cuillère en bois, il dit, quelqu'un est en train de manger. Mais qui? Il fait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette case? Mais personne ne répond. Oh. Il ouvre bien là. Oh. Il fait un premier pas. Un deuxième pas. Il a un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette case? Mais personne ne répond. Il ouvre très très bien là, mais ce qu'il ne savait pas, ce jeune homme, c'est que derrière la porte, c'était caché une fille toute petite comme ça. Et cette petite fille, elle ne quittait jamais le village, elle n'allait jamais dans la forêt, jamais la rivière, elle restait toujours à la mer. Et ce jour-là qu'elle était restée à la maison, voilà quand même ce beau jeune homme venu du Serengeti. Et le beau jeune homme, sans faire attention, voilà qu'il va poser son beau pied sur le petit pied de la petite fille. Et il va dire tranquillement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette case? Et la petite fille, elle a peur. La petite fille, elle a mal. La petite fille, elle serre ses poings. La petite fille, elle n'en peut plus. Elle finit par dire, aïe! Mon pied! Non! Oh, t'as eu mal! Oh, excuse-moi, comment tu t'appelles? Eh bien, la petite fille, elle avait tellement peur qu'elle avait oublié son nom. Elle dit un nom qui lui arrive comme ça.
m'appelles la girafe. Oh, tu t'appelles la girafe, alors ma petite girafe, tu vois. Moi, je ne suis pas méchant. Si je suis venu ici, c'est parce que je cherche une femme. Est-ce que c'est où est-ce que je peux trouver une femme? Et là, la petite fille, qui s'appelle déjà comment là? Elle se souvient de l'histoire que tout le monde raconte. Et oui, tout le monde raconte que là-bas, au bord de la rivière, il y a une case. Et que dans cette case, il y a une jeune fille. Et cette jeune fille, elle sort de la case quand le soleil va se cacher derrière le... Elle fait une simple belle robe en toile d'araignée. Voilà qu'elle sort de la case. Elle se dirige vers la rivière. Elle se dirige vers la rivière. Oh, elle marche sur l'eau. Elle marche sur l'eau. Arrive au bout de la rivière. La rivière s'ouvre. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend au fond de l'eau. Elle descend au fond de l'eau. Elle descend au fond de l'eau. Et là-bas, au fond de l'eau, mes chéris, se trouve un serpent. Un gros serpent. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le corps de la jeune fille. C'est ça son travail. Travailler plus pour gagner, je ne sais quoi. Et la jeune fille, elle se laisse faire, elle se laisse faire, elle se laisse faire, elle se laisse faire, elle se laisse faire. Une fois nettoyée, bien nettoyée, elle remet sa belle robe en. Elle retourne dans ça. Très tard. Très tard dans la nuit. Qu'est-ce qu'on entend sortir de cette case? On entend ceci. La musique s'arrête et tout le monde retourne dans ça. Yes. Et voilà que cette petite fille qui s'appelait Giacomana. Elle raconte cette histoire, ce beau jeune homme venu de ses rainières. Le beau jeune homme dit, ah mais j'aimerais la rencontrer. Et pour la rencontrer, il faut aller à la rive. Yeah. Oui, mais je ne peux pas aller tout seul. Mais là que je te connais, il faut qu'on aille tous les deux. Ah non, non, moi je ne quitte jamais la vie. Oui, yeah. Non, viens avec moi, tu ne vas quand même pas rester là. Reste toute ta vie là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais viens avec moi. Ah, moi aussi, si je viens avec toi, qu'est-ce que tu me promets? Mais si tu viens avec moi, après je t'amènerai dans la salle. Ouais. Et oui, mes chéris, en ce temps-là, dans la savane, il n'y avait pas de girafe. Ouais. La girafe était une petite homme qui habitait dans la vie, à qui on avait interdit de sortir. Oui. Le problème, ça veut dire que la savane c'était merveille, oui. La savane c'était sûr, oui. La savane c'était extraordinaire, oui. La savane c'était bling. Bling. Oui, je viens avec toi. Je viens avec toi. Alors, les voilà partis vers la rive. Yeah. Ils arrivent à la rivière. Oh, qu'est-ce qu'on voit là? Une case. Viens, regarde la case là-bas. Elle doit être dedans. Allez, vas-y. Et le prochain homme est là-bas. Et voilà qu'il va écouter à la. Oh. Mais la petite fille, non, on ne fait pas ça. Parce que c'est très impoli. Très impoli. On n'écoute pas derrière les. Oh. Oh. Même si ici en France, il y avait un vieillard qui aimait écouter les gens. Oh. Sur le terrain. Eh bien, tu dois frapper à la, ouais. Il retrousse et il va frapper à la. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette case? Effectivement, dans cette case se trouvait la jeune fille. Elle était en train de manger. J'ai. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Elle a rendu vite fait. Vous savez, les belles filles n'aiment jamais qu'on le voit en train de manger. Elle a rendu vite fait. Elle prend son petit miroir, elle prend son charbon. Non.
savez pas ce qui se passe dans le sein de mes jeunes filles. Elle met sa belle robe en. Elle remet en place ses. Elle tire le garçon, elle rattrape le garçon, elle serre le garçon dans ses bras, sans lui dire un mot, elle lui glisse un doux baiser. Ils sont tombés amoureux. Oh, t'es beau, 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 oh, t'es beau. Comment t'appelles ma chérie? Comment t'appelles ma chérie? C'était quand même la plus belle femme du... du monde. On n'avait pas mis de n'importe quel prénom. On n'avait pas l'appelé Caillou, Mande, Patate Douce. Elle, elle a réfléchi. Elle s'est souvenue d'un nom qu'elle avait entendu au fond de la rue. Yeah. Je m'appelle la tortue. Oh, tu t'appelles la tortue? Et moi, je t'appellerai Chérie Tutu. D'accord? Et toi, mon beau, comment je t'appelle? Le beau garçon, chéri. Il savait bien comment il s'appelait. Parce que là-bas, dans le Serengeti, tu sais pas qu'il n'y avait pas de belle fille, mais si. Chaque fois qu'il voyait une belle fille, une antilope, une tourterelle, même une libellule. Finalement, là-bas, on appelait le. Le lion, très bien. Dis-moi, je m'appelle le. Oh, tu t'appelles le lion? Moi, je t'appellerai chérie Lily, d'accord? Alors, tu veux te marier avec moi? Oui, je veux bien. Allez, va chercher tes affaires. Et pendant ce temps, qui est là en train de les regarder? La girafe. La girafe trouve que vraiment la tortue, c'est la plus belle femme du... Bon. C'est une vraie princesse. Si on était en France, on allait l'appeler comment? Carla? Tout en ressemblance avec une femme ayant ou existant toujours, mais le plus de coïncidence. Oh, je vais pas. Attendez une seconde. Donc elle rentre dans sa case pour choisir César. Yeah. Et nous savons très bien que toutes les princesses aiment leur robe. Et oui, alors elle prend sa première robe en poil de rat. Sa deuxième robe en peau de crapaud. Sa troisième robe en bave de caméléon. Et moi je laisse tout ça. Je garde seulement cette belle robe. Cette robe en toile d'art. Cette robe transparente. Oh. Quand on a un joli corps, pourquoi le cacher? Faut-il la robe? Et allez, non, je suis prête. Tu es prête? Oui, oui. Allez, on y va. Et le voilà parti vers la salle. Il marche. Il marche, la tortue est fatiguée. Yeah. Elle va s'asseoir au pied d'un arbre et là elle dort. Oh, le lion ne dort pas. D'ailleurs, il en profite pour regarder sa fiancée sous toutes ses coutures. Il se dit qu'elle a la chance d'avoir trouvé la plus belle femme du monde. Entre elle et eux, qu'est-ce qu'il ne serait pas? Au moins d'être une brute.
mais comme elle était belle, très belle, une lumière sortait de son corps et enveloppait toute la forêt. Comme elle était belle, très belle, un parfum extraordinaire sortait de son corps et se diffusait dans toute la forêt. Et tout ceci attirait tous les oiseaux de la forêt. Et voilà qu'à de son arena. Venez voir, il y a une belle femme qui dort, venez voir, mais le dieu, est ne jamais le donner. Les oiseaux, allez vous en, allez, les oiseaux. Hé, tortue, réveille ta tortue, attends. Ah, je suis fatigué. Tu me réveilles toi, il y a des oiseaux qui nous regardent. Ah, mais je suis fatigué, est-ce que tu peux me porter? Te porter, ça fait seulement une demi-journée qu'on est ensemble, il faut déjà te porter. C'est pour ça que je voulais rester célibataire. Ce sera la première et la dernière fois. Alors là, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Le lion prend la tort. Oui. Et le lion porte la tort. Oui. Et la maïa n'a ensuite, vous allez dans les disques. La petite bande dessinée pour les enfants. N'oubliez pas, tous les contes, évidemment, ils sont en version audio, dans vos voitures, à la maison, ça pourra vous inspirer derrière pour raconter des contes à vos enfants. N'oubliez pas, le principe de Palabre autour des arts, c'est de pousser les gens à découvrir les littératures des arts. Et c'est à ces âges-là qu'il faut initier les enfants à découvrir le livre déjà, et ensuite les littératures les plus éclectiques possibles. Donc, je n'ai plus beaucoup d'espoir pour les adultes. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les enfants. Faites quelque chose pour les enfants, s'il vous plaît. Amenez les enfants, commencez par les bandes dessinées, choisissez des livres et faites lire les enfants. Ça ne coûte pas cher et ça fait plaisir. Voilà. Merci encore à tous d'être venus. Et la prochaine Palabre autour des arts, c'est en janvier. Nous recevons la prochaine page à la librairie Caride. N'hésitez pas à venir. Il y a une page Facebook Palabre autour des arts. Il y a un blog Palabre autour des arts. N'hésitez pas à nous proposer des livres. Et à partir de janvier, nous repartirons sur une configuration classique. Ça veut dire des chroniques, critiques, des livres. Merci encore à tous d'être venus. Merci beaucoup à Gabriel. Qui a été édité chez Présence Africaine et qui a été édité aussi avec le soutien de Dépêche et de Brazzaville. Donc, ce qui nous touche beaucoup, nous autres artistes, nous qui n'avons, on s'approche jamais de l'odeur du pétrole, mais on va faire quelque chose comme ça. Voilà, donc, merci beaucoup, à la prochaine, et merci pour le petit autographe qu'on a fait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Mais en fait,